Bien, salut tout le monde, c'est Wizzyla. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Ça faisait un petit moment, dis donc. C'est sur ma partie LP. Donc ça fait encore plus un petit moment. Parce que ça doit faire plusieurs mois que j'ai pas été sur le LP. Ça fait un peu de bien d'y revenir. Je suis allé de temps en temps, mais c'est tout. Donc oui, vous pouvez remarquer que maintenant j'ai une cape aussi. Je me suis pris une petite cape, c'est un petit caprice. Sauf que c'est pas la même bannière exactement. Faudrait que je modifie un peu. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. Donc on se retrouve enfin sur LP. C'était juste surtout pour vous demander si vous voulez que je continue un peu. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment continué. Donc c'était pour savoir un peu vite fait. Et on entend beaucoup trop les poulets. Donc je vais me décaler un peu. Bon, oui, en mode coaster riche. Hein. Bah, j'ai un peu. C'est un peu le bordel là-dedans. D'ailleurs, la place est vache. Hein. J'ai aussi un petit cochon. Toujours mes chiens. Bon, ça va vraiment changer. Hein. On va repasser en vue normale. Bon, il y a toujours mon cheval que. Faudrait que je renomme un jour. Oui, un jour, faudrait que je renomme. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait. Non, je vais vous demander en commentaire comment vous voulez que je renomme. C'est pour être bien. Il y a toujours mon petit champ. Il y a aussi une nouveauté que j'ai ajoutée pour un peu me faire d'XP parce que ça commence à être un peu la dèche. Même si c'est pas une grosse ferme à XP, ça fait toujours ça en attendant. D'abord pour y aller, allez hop, descend, hop, hop, hop. C'est une petite usine à squelettes. Bon, parce qu'il y avait un spawner à squelettes juste en dessous de ma maison, j'avais toujours pas marqué, mais c'est pour ça que je jetais des squelettes il y a des moments. Donc voilà, hein, c'est tout con, on éteint la lumière, hop, on attend que ça arrive, ça spawn tranquille. Bon, normalement, quelques minutes, on a déjà pas mal de squelettes qui a spawné ici, de toute façon, on se met là et on attend. Hein. Au moins, ils peuvent pas nous tirer dessus, sauf si tu te mets là, ils peuvent commencer à te tirer dessus, mais ça dépend. Bon, ça loot déjà pas mal. Moi, j'ai plein de flèches et plein de nanas. Je les fais tourner de temps en temps et ça peut faire un peu faire ma XP, puisque en gros, on les brûle. Ça les met normalement à un coup avec un point. Sauf que le problème, c'est que maintenant, plus la partie avancée, plus les mobs ont des armures, du coup ça gêne un peu beaucoup parce que du coup il en reste plus de PV et du coup je suis obligé de mettre pas mal de coups, donc voire utiliser l'épée ou utiliser une autre épée, mais bon, parce que du coup ça abîme un peu l'épée. Enfin bref, juste pour exemple, ensuite tu mets le piston, je remets la lumière en général, c'est pour bloquer en attendant de les faire brûler. C'est bon, t'es bien? Plus personne? Au cas où. Hop, on active ça. Ça fait un peu beaucoup plus grand. À peu près des hoppers, hein. C'est un truc vraiment simple, on a rien. Que si on veut chercher. D'accord, j'ai fait un truc. Oh, c'était juste pour monter. Oui, c'est un truc simple. Hein. Bon, ça c'est pour la lumière, c'est un truc pas du tout optimisé pour la lumière. Donc en gros, voilà. Boum. Oui, normalement. Voilà, ceux qui ont pas d'armure, ils prennent. Donc. Et il m'a tiré dessus. Donc au pire tu finis l'épée quoi. Voilà. Et ça fait plus de loot. Et hop, j'ai eu un casque projeté protection quand même. Ça c'est les potes les plus pétés que j'ai eu. Projeté protection A4, Unbreaking 3, Fairphone 4, Deathrider 2. C'est les bots un peu les plus pétés que j'ai eu. Voilà, donc voilà, ça fait une petite usine à XP en attendant d'avoir quelque chose. Hein. Pour monter, c'est un peu galère pour monter, j'aurais peut-être fait un truc pour plus rapidement avec une jolie entrée parce que c'est un peu YOLO. Vas-y, hein. Remonte. Hop, 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 et hop. Toc, oui, donc le cheval vous pouvez me proposer parce que j'ai un name tag. Normalement, je vais vérifier quand même. Que je ne dise pas de bêtises. Bon, c'est toujours pas décoré ici, hein, comme d'hab. Hein. Niveau ressources, bah, j'ai pas mal de diams. Niveau fer aussi, je suis pas à plaindre. Maintenant, je me fais même plus cuire les trucs vu que je récupère tout acid touch, tout ça. Je vais comme ça. Si un jour je pose un XP, voilà. Oui, j'ai un name tag. J'ai beaucoup de trucs. Il faudrait un jour que je ramène un deuxième show, mais c'est à 4000 blocs. Enfin bref, c'est vraiment. Avec chose importante. Mais ça peut être un peu difficile de les ramener dans le Nether. L'arbeur que combattu normalement, même s'il manque des bouts. Oh, bah ça a rien changé. Bon, ok, un petit bouquin comme ça, au calme. J'ai un peu de fer, hein, un peu. Ouais. J'ai deux sur le touch.
C'est exactement la même, pourquoi? Ah non, Breaking 2. Il y a un Breaking 3. Pourquoi pas? Donc voilà, aussi je suis plus trop sur ma partie solo tout simplement parce que j'ai été invité sur un serveur multijoueur, même s'il n'est pas très actif le serveur. Mais en gros, faire la même chose deux fois, voilà quoi. Style Holicum hein, pour ceux qui connaissent. Bon, les petites îles là-bas, par là, t'as de la terre mais un peu loin. Là, il y a une petite île là, assez sympa, assez jolie. Ah si, il y a une petite île là-bas. Bon, on voit un tout petit peu. J'ai pas mis la plus grande grandeur de distance possible. Donc après, je sais pas trop quoi faire. Il y a toujours mes chiens. Et viens-toi. Ah, et viens-toi. Bah, tu me suis pas? Ah si. Bon, mes petits chiens qui servent à rien, allez, hop, couché. Sinon, en bas, ça a toujours pas changé. Il faut vraiment que je fasse un essai plus pratique. C'est vraiment YOLO cette partie. J'avais dit qu'un jour je serais en. De toute façon, je pense que j'ai aménagé j'ai ça comme dans l'épisode justement. D'accord, merci. Rends-moi mon Inda chest. Toujours les bouquins. Sympa le bouquin. J'ai qu'une looting 1, mais j'ai une looting 2 en bouquin. Fuck you, that's why. Et toujours ma petite usine à poulet. Bon, elle carbure pas beaucoup, mais c'est normal, hein, puisque tout simplement, je suis pas souvent là, hein, j'ai pas beaucoup AFK ici, et vu qu'elle est pas au spawn, enfin, dans les périmètres du spawn, du coup, elle est pas tout le temps active, même si, quand je m'éloigne loin, bah, elle est plus active, alors que normalement, au spawn est toujours actif. Enfin, bref, voilà, toujours le beacon, hein, qui m'a coûté cher en fer, mais mine de rien. Là, c'est aussi pour avoir accès au spawner à squelette, hein, parce que. C'est pareil, hein. Je crois qu'il faut aller par. Ou j'ai rebouché, je sais pas. Ouais. C'est là où il y a les lampes, hein. C'est un truc basique, hein, je vous ai dit, hein. Et là, il y a juste ce mineshaft que j'ai pas fini d'exparer, du coup, j'ai bloqué. Accès de la dèche. Je vous ai dit, hein, c'est la dèche, hein. Hop et hop. De toute façon, je pense que l'épisode va pas durer trop longtemps. C'est juste pour vous demander si vous voulez que je refasse l'épisode dessus ou plus sur le truc multijoueur. Mais le serveur multijoueur, mais le problème c'est que il est pas très actif le serveur. C'est ça qui me gêne un peu. Et je serai la seule à faire des vidéos dessus. C'est du coup il n'y a pas un énorme intérêt. Donc bon, je ferai bien. Je vais aussi un peu fleurir la zone hein, parce que avant c'était. J'ai mis de la bonne mie partout, j'ai essayé de boucher les trous. Peut-être aussi que je bouche ça un jour parce que c'est moche. Et les Enderman qui s'amusent toujours autant. Hein. Est-ce qu'il y a des mobs à tuer? Donc j'essaie d'éclairer un minimum parce que j'en ai marre de tous les mobs qui venaient m'embêter pendant que je se faisais. Ah ouais, bah du coup ça spawn pas mal ici. Oh, t'as une belle armure. D'accord, je sais plus viser. Je suis une lunarque. Surtout que ma sensi est un peu trop élevée là. Meurs. Bon, ok, du coup j'ai fait la chaîne maintenant vidéo. C'est cool. J'avais toujours pas fait sérieux. Est-ce qu'il m'a loot un truc qu'on voit pas trop? Du coup, on va dire bonjour au mob. Oh là, non, peut-être pas, il y a une witch. Ouais, tête à vite. Tant pis. Même si j'ai un bon stuff, voilà. C'est moi, j'ai entendu deux tics de dégâts. What the fuck? Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je pense que je vais vous reprendre un peu plus tard. Je vais faire un peu de déco en souterrain parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse, voilà. Donc je vous reprends tout de suite, allez. À tout de suite. Ça fait beaucoup de tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve à la nuit. C'est vrai que c'est bien écarré. Donc j'ai fait quelques petit changement, c'est pas, j'ai pas fait grand chose puisque j'ai pas beaucoup d'idées. D'ailleurs j'ai fait un chemin un peu plus propre que je vais améliorer par la suite pour atterrir en bas. Hein. Bon, pour l'instant j'ai pas trop changé, j'ai pas trop amélioré par ici, juste viré la table d'enchant, il faudrait que j'y vide cette coffre aussi. Parce que voilà, donc maintenant la table d'enchant ne sera plus en bas. Finalement je vais la mettre en haut. Hein. Donc, déjà on peut remarquer un petit changement, j'ai séparé la pièce en deux, une partie enchant. Au fur et à mesure, je vais rajouter plus de bibliothèques. En fait, en gros, là où il y a toute la scène clé, je vais mettre des bibliothèques. C'est juste que j'avais pas assez de canne à sucre. Enfin, j'avais pas assez de fermer de canne à sucre. Ce sera les coffres pour les enchantes, en gros. Voilà, un peu vite fait. Hein.
Il y a un petit coin Never avec. J'ai fait dépasser le pseudo parce que je sais pas où le mettre, le pseudo pour remplir les popos. Enfin, voilà, en gros, je vais faire les tiges univers pour les trucs. C'est pas encore finalisé, mais c'est un petit bout quoi. Après, ça a pas changé, hein. Du coup, j'ai pris l'enclume d'en bas, je l'ai mise ici. Mais en gros, voilà, je voulais faire des trucs, petits trucs comme ça. Ça manque encore un peu de déco, surtout l'éclairage qui est toujours aux torches. J'ai changé à force. Je vais mettre soit de la glowstone, soit de la redstone, des redstone lamps. Le problème, c'est que pour cacher le levier, je vais avoir un peu de mal. Parce que la double épaisseur de mur, enfin, il me faudra une triple épaisseur, quoi. Ça va être un peu compliqué de cacher tout ce qui est levier. Le toit, je pense un jour l'améliorer. Donc en gros, c'était juste une petite reprise du LP en douceur sur Minecraft. En douceur, bien sûr. J'ai arrêté de bouger partout. Donc voilà, c'est juste un peu tranquille. On reprend tranquille. C'est juste aussi pour vous demander si vous voulez re-avoir des épisodes. Bon, là, je serai pas là pendant 3 semaines. Du coup, bon, c'est une vidéo filmée à l'avance. Je pense qu'elle va sortir courant août, cette vidéo. Vu que je suis pas là de début août jusqu'à fin août limite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu de reprise de Minecraft. Justement, je vous demande si vous voulez que je refasse du Minecraft un peu sur cette chaîne. Parce que je sais qu'il y a quelques Minecraftiens dans ma communauté. Donc je sais pas, hein, soit sur le serveur multijoueur, mais le problème c'est que je serai la seule limite du serveur à faire des vidéos, du coup ce serait pas très fun. Ou alors continuer mon aventure sur cette partie. Donc je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!